propose d'accueillir maintenant deux spécialistes dans le domaine. Merci d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, sur le plateau Thomas Huriez et Arthur Aubeuf. Ah, j'aime ça. C'était un petit pari qu'on a fait. Il l'a fait. Allez, prenez place. Soyez les bienvenus, Thomas. Sois le bienvenu. T'es fondateur de 1083. C'est une marque de jean. Tu peux te lever. Jean. Je vous montre ton jean. Quand même. Voilà. Le jean. Marque de jean et de chaussures français éco-conçues, fabriquées à moins de 1083 km. Et Arthur, toi, tu es cofondateur de Time for the Planet. Alors, l'idée, bien sûr, de cette table ronde, c'est de comprendre, à travers votre histoire, votre expérience, comment vous avez réussi à embarquer, finalement, votre projet et votre communauté, surtout autour de votre projet. Alors, je vous rappelle, vous le savez, maintenant, vous posez vos questions et à la fin, on prendra, évidemment, les questions les plus pertinentes. Alors, je démarre avec toi. Allons-y. Thomas, tu étais informaticien, il y a 13 ans, énorme changement pour toi. Tu décides de tout quitter et finalement de créer ton entreprise. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et quel était ce déclic? En fait, ça s'est fait lentement, mais le plus gros déclic, je pense, c'était l'ennui. Ah. Parce que quand on réalise que pendant 8 heures par jour, pendant moins 40 ans, on va dialoguer avec un ordinateur et qu'en fait, ce n'est pas son truc, qu'on aime les gens, qu'on aime créer, qu'on aime construire, et bien du coup, il est temps de faire autre chose. On travaille tous longtemps dans sa vie, c'est beaucoup de secondes dans une vie. Et du coup, autant les remplir de trucs qui font sens. Donc voilà, j'ai décidé de quitter Grenoble, de quitter l'informatique et de m'installer à Romans, dans la Drôme. Bravo pour ça. Est-ce que ce changement a été radical ou finalement ça a été progressif, ça a été une évolution? C'est plein de petites étapes radicales en fait. J'ai commencé par créer une boutique de vêtements bio-équitables en face de Marc Avenue parce que j'ai rénové une maison de famille qui était en face d'un grand centre de magasins d'usine. Donc l'activité de mode et de commerce s'imposait par l'emplacement. Et moi je voulais du sens, donc j'ai ouvert une boutique de mode éthique. Mais en 2007, la mode éthique, c'était pas jojo, quoi. C'était quoi? Je confesse avoir vendu quelques bonnets péruviens. Et j'en suis pas très fier, mais bon. Et j'ai appris à cette occasion, grâce aux bonnets péruviens, qu'en fait, personne est pour les pesticides, personne n'est pour le travail des enfants. Mais quand on met des belles valeurs sur des produits qui ne sont pas populaires ou qui ne sont pas beaux, et ben en fait, ça n'emmène pas loin ces idées. Et donc, j'ai compris qu'en fait, le vêtement, ce n'était pas utilitaire. Moi, je le vivais comme ça. Et le vêtement, en fait, c'est une manière de partager son identité. Quand on était tous tout nus, qu'on vivait dans des grottes et qu'on était poilus, on n'avait pas besoin de se vêtir de vêtements pour se protéger du froid. Mais on en portait déjà, de même que des tatouages, des tentures, des accessoires, pour parler de soi. Donc le besoin archaïque auquel répond le vêtement, c'est identitaire. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que le vêtement est un média génial pour partager des idées. Et donc quand j'ai compris ça, mais ça a mis 5-6 ans, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête les bonnets péruviens. Par contre, on va choisir un véhicule cool. Et donc j'ai choisi d'essayer de relancer la filière textile du jean en France. Parce que dans le jean, il y a une part française. En fait, ce qui est cool avec le jean, c'est que c'est assez universel. Tout le monde le porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les gens de droite, les gens de gauche, etc. Et en fait, c'est rare dans la mode, parce qu'on est tous le regard de quelqu'un à part avec les jeans. Et comme c'est un produit qui est très concurrentiel, très mondialisé, très polluant, je trouvais que le défi de relocaliser était intéressant. Et comme chacun voit midi à sa porte avec le jean, parce que pour les Américains, c'est américain. Pour les Italiens, le mot jean, ça vient de la ville de Gênes. Pour les Français, le denim, ça vient de la ville de Nîmes. Donc chacun voit midi à ses portes, ce qui est très bien, parce que du coup, ça veut dire que c'est un produit qui est à la portée de tout le monde. Et donc, quand on met ces valeurs de respect des gens, de respect de l'environnement, faire des produits qui sont relocalisés au maximum, faire du coton bio et essayer de faire des jolies fesses, et tout ça, ça fait que ça rend le produit populaire au point que notre président en porte. Non, Alexandre, viens voir, viens nous montrer ton jean. Ah bah oui, Alexandre, viens nous montrer ton jean. Voilà, un petit tour, voilà. Merci. Alors, tu as embarqué du monde autour de toi, et finalement, le succès a été là assez rapidement pour toi. Oui, parce qu'en 2013, donc au bout de 6 ans de petit commerçant en roman, je voulais lancer cette marque, mais c'était un petit projet modeste de commerçant romanais, et donc j'espérais vendre 100 jeans en financement participatif,
sur Ulule. Pour ceux qui connaissent, c'est un site de financement participatif. Et au lieu d'en vendre 100, on en a vendu 1000. Et donc tout de suite, ça nous a tracté. C'est-à-dire que plus les gens comprenaient la démarche, plus on disait tout nu en gros ce qu'on vivait, nos difficultés, nos galères, nos opportunités, nos idées, plus on écoutait aussi les idées des gens, et bien en fait, plus ça engageait de personnes autour de nous, des gens un peu engagés comme moi, mais aussi des gens pas du tout engagés comme mes cousins qui du coup se sont dit « Ah bah oui, il n'y a pas que des bonnets péruviens, ok, j'achète, c'est cool ». Et du coup, ça fait boule de neige. Ouais. Et donc, il y a 8 ans, on était deux, mon petit frère et moi, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est 70, on a créé 150 emplois directs et indirects. On a relocalisé une filature, un tissage en France. Enfin voilà, c'est assez extraordinaire. Mais en fait, on ne fait que suivre nos clients. C'est pour ça. Donc, non, mais... Bravo. Mais en fait, nous, on ne fait que le mettre en œuvre. Ceux qui font la dimension de nos activités économiques, c'est vous, c'est les consommateurs. C'est Alexandre, notamment. mais en fait, plus il y a d'Alexandre, plus on crée d'emplois. On a, en 2020, vendu 50 000 jeans, ce qui est énorme pour nous parce qu'on est parti de zéro en termes de filière. Mais le marché français, c'est 88 millions de jeans. Mmh. Et avec 50 000 jeans, on ne représente même pas 0,05% du marché français. Pour autant, on a déjà créé 150 emplois avec ces 50 000 clients de Jean 1083. Mmh. Donc ça laisse imaginer le nombre d'emplois qu'on peut relocaliser juste en choisissant avec sa carte bleue de participer à des aventures locales et respectueuses de l'environnement. Dans ton premier métier, tu as transigé sur des valeurs qui étaient essentielles pour toi. Là, quelles sont les valeurs finalement sur lesquelles tu n'as jamais transigé et tu ne transigeras pas ? Alors il y a un truc qui est assez particulier, enfin qui ne l'est plus du tout, et c'est très bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui on parle beaucoup d'entreprise à mission, et donc l'idée c'est d'enrichir la cause d'une entreprise de choses qui ne sont pas que économiques, financières, et nous on a une mission dans nos statuts depuis 5 ou 6 ans, et cette mission c'est notre boussole. Notre mission c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout l'argent qu'on gagne, tous les bénéfices qu'on fait, ça sert à ça. Et donc ça a débouché sur plusieurs projets, on a recyclé des vêtements de pompiers pour faire des vêtements neufs. On a développé une technologie pour produire du coton en France, non pas grâce à l'agriculture, parce que le climat n'a pas adapté, j'espère pour longtemps, mais si le réchauffement climatique s'accélère, ça sent le coton, en plus du sapin. Solide. Voilà. Et le troisième projet, c'est un projet qui s'appelle le Jean Infini. Qui est un jean 100% recyclé, recyclable et consigné. Donc en fait, c'est une non-innovation totale, puisque les vêtements recyclés, c'est... Quand j'étais petit, mes parents m'achetaient des polaires en bouteille de plastique, donc ça a au moins 30 ans. Donc ça, c'est pas innovant, des produits recyclables, c'est pas innovant, et la consigne, c'est pas innovant. Mais ces trois innovations réunies dans un produit, c'est le premier vêtement au monde qui a été consigné, ça fait 2 ans qu'on le vend. Et en fait, ça montre tout simplement que l'économie circulaire, quand on la cherche, on la trouve. C'est plus facile de faire des jeans recyclés, recyclables et consignés que d'envoyer des gens sur la Lune. Il faut juste s'y consacrer. Et donc, tout ça, c'est grâce à cette boussole que représente la mission. Et donc, tous les choix dans l'entreprise, quelle que soit sa place dans l'entreprise, on ne les fait pas au regard de son propre avis ou de mon avis à moi. On les fait au regard de la mission. Et en fait, ça nous les aligne tous parce qu'on a tous le même cap. La même destination, en fait. Le même cap, oui. En préparant cette table ronde, il y a quelque chose vraiment qui m'a sauté aux yeux, et il y a dans un des témoignages, tout à l'heure dans un film, il y a une personne qui parlait de ça. C'est cette impression que tu avais finalement de ne pas travailler. Déjà, je crois que tu n'aimes pas du tout ce mot-là. Tu ne bosses pas, quoi. Non, en fait, j'adore le mot travail. Je n'ai pas de problème avec le mot travail. C'est juste que les gens, je trouve, les gens, normaux, je ne sais pas comment dire, trouvent que je travaille beaucoup. Mais en fait, moi, je fais juste ce qui fait sens pour moi. Donc, ça me prend du temps, mais en fait, j'aime ça. Donc, je rencontre plein de gens. Enfin, là, je travaille, selon eux. Mais en fait, non, on vit plein de trucs, c'est intéressant. Qui a l'impression de beaucoup travailler, en fait, de travailler ? Qui a cette impression-là, tout le temps ? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Nickel ! C'est bien. Qui a l'impression de travailler ? En faisant votre mission, en fait, en étant dans votre mission ? Il n'y a pas tellement, quand même. Et c'est plutôt beau, ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on invente un mot pour ceux qui ne travaillent pas. Vivre. Je n'ai pas entendu. On est au CGD. Ah oui, c'est ça. D'accord. Mais du coup, ça montre que ce mot-là, il mériterait qu'il y ait un synonyme. Oui, je suis d'accord. Soit on réhabilite le mot travail, comme on a réhabilité le mot cuisinier, comme il faut qu'on réhabilite le mot ouvrier. Mais donc ça, c'est un travail à faire. Soit on trouve autre chose.
Mais je pense que c'est important que dans notre sémantique, on exprime le fait d'œuvrer par choix, par conviction et par sens. Et donc, mais je n'ai pas ce mot et malheureusement, ça me manque. Le travail, c'est des projets. Peut-être faire des projets, ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as créé 150 emplois depuis 2013. Si je te dis réussite, tu me réponds quoi ? Alors déjà, ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est nos clients qui les créent. Nous, on suit derrière, on cavale comme on peut derrière. Le mot réussite, pour moi, c'est durée. C'est-à-dire que quand on fait des projets qui font sens, si on est vraiment ambitieux pour ces projets, en fait, on doit tout faire pour ne pas rendre dépendant ces activités de nous-mêmes. C'est la réponse C à la question. Donc pour moi, la réussite, c'est, ça s'inscrit dans le temps. Et voilà, on part de monde durable. Voilà, on doit construire un monde vraiment durable, au point que nos initiatives doivent être construites pour durer. Sinon, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. C'est quoi le message clé que tu souhaiterais leur délivrer ce soir, si tu avais un message clé à donner ? C'est toujours la réponse... La réponse C. La réponse C, voilà. Ou 42, ça dépend un peu ces chapelles. Non, moi, je dirais qu'il y a deux choses qui sont moteurs chez moi. Il y en a une, c'est d'écouter tout le monde, parce qu'en fait, il y a plein de signaux faibles, d'idées, d'illuminations qui peuvent être géniales et qui peuvent faire de vrais caps, des déclics. Et en même temps, si on écoute tout le monde, en fait, on ne se dépasse jamais, parce qu'en fait, on s'arrête à la frontière des autres. Et donc, on ne fait pas plus que ce qu'ils font, en quelque sorte. Et donc, en même temps qu'on écoute tout le monde, je trouve que c'est bien d'écouter personne pour aller plus loin, pour oser, pour essayer, parfois rater, mais peu importe, c'est comme ça qu'on avance. Et donc, voilà, moi, j'aime bien cette idée d'écouter tout le monde et d'écouter personne à la fois, parce que nos initiatives, elles sont riches de sens collectif, mais elles sont riches d'initiatives individuelles aussi. Et ça ne s'oppose pas, les deux ensemble marchent. Voilà. Bravo, écoutez tout le monde, écoutez personne. Un bel exemple aussi de réussite, on parlait de réussite, hein, c'est de durée. C'est avec toi Arthur, tu as 27 ans, tu es un entrepreneur hein, depuis l'âge de 17 ans. Ta passion, ça a toujours été finalement le digital. Alors tu as créé pendant tes études des communautés digitales. Toi, tout ce que tu touches en création digitale, tu en fais de l'or finalement, puisque tu as des millions d'abonnés, enfin en tout cas tu en as eu et tu vas en avoir encore plus. Tu as même fait partie de l'aventure du réseau américain, hein, que vous connaissez, Thriller, 50 millions d'abonnés. Mais c'est à ce moment-là, véritablement, que tu t'es posé des questions et plus qu'existentielles. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ta tête ? Oui, avec plaisir. Bah déjà, je suis très heureux et je ne connaissais pas Thomas, mais hyper stylé. Et en plus, pouvoir montrer ses fesses et recueillir un tonnerre d'applaudissements, rien que c'est quand même un certain niveau. C'est grâce au jean. Ah ouais, non, mais c'est grâce au jean. C'est vraiment une belle perf. effectivement, j'ai entrepris et j'ai eu la chance de le faire pendant mes vacances. J'ai fait une fac de sport et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fac de sport, on a 6 mois de vacances, donc si vous ne savez pas trop quoi faire, voilà. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire sur Internet, c'était parce que je m'ennuyais pendant mes vacances. Et c'est aussi devenu mon métier. Voilà. Point commun. Donc c'est pour ça que je me reconnais complètement dans ce que tu dis, et je trouve que c'est vraiment un bon hack aussi pour trouver son métier. On part en vacances et on voit ce qu'on a envie de faire. Et effectivement, après pas mal d'années là-dedans, j'avais envie de donner plus de sens à tout ça. Et je me demandais comment je pouvais utiliser l'entrepreneuriat, l'entreprise, pour justement lutter contre le dérèglement climatique, qui est un petit enjeu du moment quand même. C'est comme ça qu'est né Time for the Planet. On sent chez toi, en tout cas, et quand on a préparé hein, cette interview, on sent que ta raison d'être, finalement, elle a toujours été là. Peut-être on peut dire que tu l'as aiguisée, j'ai envie de dire ça au fil du temps, mais on sent que ça a été là dès le départ. Est-ce que je me trompe ? Non, bah c'est vrai que je viens d'un petit village où il y a 200 habitants, et comme j'aime bien dire, c'est soit tu fais du ski, soit tu meurs là-bas. Du coup, j'ai fait du ski. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup au contact de la nature, j'ai toujours été très simple, et je pense que c'est quelque chose que je garderai tout le temps. Et j'adore le fait de pouvoir faire des choses ambitieuses en étant simple, et je pense qu'aller dans la nature, c'est mon hack de vie. Ça me permet de toujours revenir à l'essentiel et me rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Donc toute la première partie hein, qui s'est passée tout à l'heure avec toutes les interventions, j'imagine que ça t'a beaucoup parlé par rapport complètement, à ça. Complètement, oui. Ouais. Alors t'as confondu, avec... J'ai pas encore fondu. Non, pas encore, je te le souhaite pas, pardon. Si tu feras vraiment chaud. Hein. Blablabla, je recommence. Tu as confondu avec 5 entrepreneurs Time for the Planet. Ouais. L'objectif, hein, c'est de rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui lutteront contre le dérèglement climatique. À travers ce projet, tu as vraiment, je dirais, rassemblé une énorme communauté.
une énorme communauté, beaucoup plus qu'engagée. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe en ce moment pour toi, en fait, et pour Time for the Planet? Oui, alors Time for the Planet, c'est effectivement, on est 6 entrepreneurs, on a monté des boîtes dans différents secteurs depuis une dizaine d'années. Quand on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique il y a quelques années, donc pas si tôt que ça finalement, ça nous a d'abord mis une grande gifle, comme à plein de gens, et surtout on a voulu agir, et agir d'abord en tant que simple citoyen. Mais ce qu'on voit quand on est simple citoyen, c'est qu'on nous parle du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, et nous, on peut acheter une trottinette et on peut faire pipi sous la douche. Et c'est vrai qu'on se sentait démunis et qu'on se disait qu'il nous fallait absolument un outil. Et la conviction commune qui nous a fait nous rejoindre, c'est le fait que pour nous, l'entreprise peut être un outil formidable pour lutter à très grande échelle contre le dérèglement climatique parce que ça transforme nos modes de vie à grande échelle et c'est précisément le sujet. Et donc ce que fait Time for the Planet, c'est qu'on crée des entreprises qui sont pensées et paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Notre mission, c'est de co-créer ces entreprises avec, d'un côté, des innovateurs qui portent des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, qui peuvent vraiment changer la donne à très grande échelle, et des entrepreneurs chevronnés pour amener la dimension modèle économique et faire en sorte que ces innovations elles deviennent des biens et des services qui passent dans notre quotidien. Et nous, on chapeaute l'ensemble, on crée la connexion, on injecte de l'argent. Et ça, on ne le fait pas tout seul. Tu l'as dit, on doit lever 1 milliard d'euros, créer 100 entreprises, et on ne va pas le faire avec nos petits bras. Et c'est pour ça qu'on est structuré comme un mouvement auquel tout le monde peut participer à partir d'un euro en une minute, et tout le monde devient copropriétaire, associé, actionnaire de Time for the Planet, et s'empare de cet objet pour participer à le faire grandir au même titre que nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est 23 000 associés, et qu'on peut grandir vraiment vite. Parce qu'en fait, on est 23 000, on n'est pas juste les cofondateurs. 23 000, c'est-à-dire que toutes les personnes, tu les prends comme des associés. C'est nos associés, en fait, comme des associés. Officiellement, ce sont des c'est nos associés, et ils nous aident à faire grandir Time for the Planet, et c'est assez incroyable ce qui se passe au quotidien. Et nous, notre vision, c'est qu'il faut partager. Qu'est-ce qui se passe au quotidien, justement? Raconte-nous ça, parce que c'est assez étonnant. Il y a plein d'exemples. Par exemple, on a obtenu récemment une campagne offerte par un grand du mobilier publicitaire qui nous a offert cette campagne pour faire connaître Time for the Planet. C'est une campagne qui vaut à peu près 1 million d'euros. Et en fait, c'est un mec qui avait mis 100 balles dans Time for the Planet, qui a remonté à la direction de cette entreprise, qui a négocié ça tout seul, en tant qu'associé, avec son statut d'associé, et qui nous a obtenu ça. Et moi, je me suis retrouvé dans l'appel final, où on m'a dit « on vous offre ça », et je ne connaissais pas ce type. Et c'est fou, quoi. Et en fait, il y a des trucs comme ça qui arrivent tous les jours. Et je pense que vraiment, c'est ça le hack de Time, et c'est ça qui fait qu'on peut faire quelque chose de grand, c'est que tout le monde a compris qu'il n'était pas juste un actionnaire qui demande des comptes, parce que nous, on les rémunère en dividendes climatiques et pas en dividendes économiques, et pas non plus quelqu'un qui fait un don et qui s'occupe plus du truc. Chacun est copropriétaire, et chacun est l'ambassadeur du mouvement et du projet. Et nous, notre but, c'est de redonner le pouvoir aux gens, de pouvoir agir à une échelle mondiale. Est-ce que ce n'est pas finalement un projet qui est bien plus grand que nous, finalement, bien plus grand que toi, bien plus grand que les 5 associés, les 63 000, mais les 5 cofondateurs, bien sûr, ouais. C'est bien plus grand que vous-même. Et il faut que ça soit beaucoup plus grand que nous, il faut que ça nous dépasse, et c'est tout l'objectif avec Time for the Planet. Nous, on est là pour cadrer, pour structurer, on met les innovations en open source pour qu'elles puissent être démultipliées, copier-collées par n'importe qui, gratuitement, partout ailleurs sur la planète, et on rémunère nos actionnaires avec justement des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et nous, notre mission, c'est de faire en sorte que ça reste toujours et que ça puisse pas dériver. Par contre, Time for the Planet, il faut que ça devienne énorme grâce aux gens. Et on voit vraiment que les gens... Ça devient énorme, donc vous en êtes où là, dans votre projet par rapport à ça? Eh bien, on a commencé il y a 1 an et demi, ouais. On a mis 1 an à réunir le premier 1 million d'euros. Là, okay. On a fait 1 million d'euros en 1 mois, donc ça accélère vraiment. Okay. Maintenant, on a une centaine de nouveaux associés tous les jours. On commence à avoir pas mal de grands groupes, de belles entreprises qui viennent investir. Et on crée les 3 premières boîtes cette année, donc là, le 26 juin, ça y est, on vote les premiers investissements de Time for the Planet. L'objectif, c'est d'accélérer encore l'année prochaine et d'en créer encore plus, parce qu'il y a une toute petite urgence quand même. Je crois qu'on peut applaudir ce projet. Ce serait quoi la réussite pour toi, la réussite de ce projet-là? C'est une vaste question. Je pense que déjà, c'est très proche de ce que disait Thomas. C'est pas par hasard que vous êtes ensemble. Mais je pense que la réussite, c'est l'épanouissement, c'est le bien commun, en fait. Moi, je crois que les entreprises, elles doivent d'abord et avant tout servir le bien commun, et qu'on s'est peut-être un peu fourvoyé aussi dans la façon dont on perçoit les entreprises. Je pense que les entreprises peuvent faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est la mission de l'entreprise, justement, d'amener le bien commun à être toujours plus qualitatif, à aller vers des choses qui sont toujours mieux pour les gens. Donc pour moi, la réussite d'une entreprise, en tout cas, doit se mesurer avec des indicateurs qui sont directement corrélés à ça, au bien commun, à la préservation de ce qu'il y a autour de nous, de nous. Enfin, voilà. Et si tu avais un ou deux conseils à donner aux personnes qui sont dans la salle pour justement
aller vers cette réussite-là, qu'est-ce que tu pourrais dire? Déjà, porter des jeans 1083, parce que les gens vont vous applaudir quand vous marchez. C'est plutôt cool. Ils vont vous faire danser. Bon. Non, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que tu m'avais proposé cette question. J'ai pas réfléchi, je t'avoue. Et en fait, je me dis que j'ai envie de partager un truc que je trouve hyper fort et que mon grand-père m'a donné. Tu vois, c'est un petit hack. Et je pense qu'il va bien dans le thème de la soirée. C'est un truc que je fais souvent, qui est un peu bizarre, mais en fait, ça m'amène beaucoup d'énergie et ça va me permettre de rebondir sur ce qui a été dit. Souvent, pour être capable de vraiment me dire, ok, on s'en fout, on y va, on fait des trucs et on entreprend et on se permet d'avoir beaucoup d'ambition, je ferme les yeux quand je suis tout seul et je me vois quand j'aurai 90 ans. Et je me vois dans un lit, dans une petite chambre grise et j'ai mal au dos, j'ai mal partout, c'est un enfer. J'essaie de me lever de ce petit lit. Et je marche un peu vers la fenêtre où je vois un peu de lumière. Quand j'arrive enfin à cette fenêtre après moult douleurs, je vois l'herbe avec un peu de soleil. Et je regarde cette herbe au soleil et je me dis, putain, j'aimerais tellement revenir quand j'avais 27 ans. J'aimerais tellement revenir quand j'avais 27 ans. J'aimerais tellement. Je me le répète 10 fois, j'ouvre les yeux et je me dis, putain, ça a marché ou pas là? Et du coup, je sais pas. Et ça me donne une énergie de malade parce que je me dis, cette fois-ci, je me foire pas. C'est vraiment beau ces messages-là. Merci de nous dévoiler ça. Avec plaisir. Merci. Bon, Pépé. Nous, c'est peut-être pas 27 ans, mais on peut se dire 27 ans peut-être. En fait. Ça marche à tous les âges. Ouais, c'est ça. Allez, on passe aux questions du public, si vous le voulez bien. J'espère que vous avez. Allez-y, on a un petit peu de temps, donc c'est super. Allez, comment la mission de l'entreprise 1083 a-t-elle été choisie par tous dans l'entreprise et a-t-elle été a-t-elle fait directement consensus? Consensus. Merci. Je vais mettre mes lunettes, je pense. En fait, la mission, elle est née très tôt dans l'entreprise. Et du coup, comme la croissance a été crescendo et s'est accélérée, finalement, beaucoup des personnes de l'équipe aujourd'hui arrivent et elle est déjà là. Donc, en fait, ça ne s'est pas fait de manière très démocratique. Ça s'est fait de manière très dictatoriale. Putain, je suis le seul à rigoler à ça, en plus. Mais parce que tu fais pareil. Mais en fait, c'est un truc qu'il faut dire aussi. Moi, j'aime pas opposer l'initiative collective et l'initiative individuelle. Et oui, j'interdis à 1083 de fabriquer ces jeans en Chine. De même que j'interdis à 1083 d'exporter ces jeans français en Chine. Si on les vend en Chine, on les produira en Chine. Ça fait sens. C'est un export intelligent. Donc, il y a des règles comme ça. Et ces règles, quelque part, je les impose, je les ai créées, et je veux qu'elles perdurent. Par contre, dans ces règles-là, dans ce cadre de travail-là, dans ce cadre de jeu même, je dirais, là, tout est ouvert. Mais le cadre de base de 1083, il est issu des raisons pour lesquelles j'ai créé ce projet-là. Donc c'est le package. On ne peut pas être chez 1083 et faire autre chose que de porter cette mission-là. Par contre, si on n'est pas à l'aise avec cette mission, on ne postule pas chez 1083, il n'y a aucun problème. Mais si on est là, on sait tous pourquoi on fait ça. Et voilà, c'est clairement écrit, c'est clairement défini, on le porte tous ensemble. Le message est clair. Allez, autre question, s'il vous plaît. Tu veux bien lire pour moi? Time, pourquoi avoir mis un rendement à 0% et pas avoir capé le rendement à 2-3% pour attirer encore plus de monde? Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est important. Nous, au sein de Time for the Planet, on a vraiment la conviction, en tout cas, qu'on ne pouvait pas se permettre de dire on va débattre de la distribution de dividendes entre associés et actionnaires. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit de dire légalement je ne distribue pas de dividendes. Normalement, ça se vote en Assemblée Générale. Nous, on ne voulait vraiment pas, donc je vais commencer par ça, puis après je vais vous raconter une petite anecdote, parce que notre vision, c'est justement que l'ensemble de cet incroyable pouvoir qu'ont les entreprises de générer du profit, enfin, de la plus-value, parce qu'en fait, une entreprise, c'est des hommes, des ressources, on les met dans une boîte noire comme une fonction un peu en maths, et il en sort des biens et des services et une plus-value. Et cette plus-value, c'est un pouvoir pour transformer le monde. Nous, on voulait vraiment utiliser toute cette plus-value pour pouvoir continuer de lutter contre le dérèglement climatique. Et on pense qu'il ne fallait pas qu'on tombe dans le débat, justement, avec les associés, avec les actionnaires, de dire, ouais, mais attendez, on rémunère quand même un petit peu. Et on a la conviction que c'est le fait que les gens viennent, justement, uniquement pour lutter contre le dérèglement climatique, qui fait que Time for the Planet va pouvoir grandir et va pouvoir aller très vite. Et la petite anecdote, c'est que comme on voulait absolument être non lucratif et donc ne pas distribuer de dividendes, on a trouvé un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître et on lui a dit comment on peut trouver un moyen de détourner ça. Et il nous a dit on peut conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Et donc nous on a écrit
Ok, nickel, on va distribuer des dividendes. Le jour où, et seulement ce jour-là, la température à la surface du globe redescendra à celle qu'elle était avant 1850. Et du coup, on ne distribue pas de dividendes. C'est énorme. Merci, merci à vous deux pour votre éclairage. Merci de vous être dévoilés. Merci on peut beaucoup. Les applaudir, merci. S'il vous plaît, vraiment. Merci beaucoup. Bravo.